Un demi-million de personnes regardent le marathon de Boston dans les rues de la Nouvelle-Angleterre. Hé hey ! Ma chérie ! Fais pas de bêtises, hein ? On vient de subir plusieurs explosions, on a besoin d'aide. On doit décider de qui s'occupe de cette affaire. Et on doit le décider de toute urgence. Si c'est du terrorisme, c'est pour vous. À partir du moment où on parle de terrorisme, tout change. T'es pas blessé? Non, je vais bien, Tommy. Fais attention à toi. Le type là, la casquette blanche. C'est lui. Les photos sont floues, on voit rien. Non, on voit très bien. Diffusez ces photos, et les gens vont en faire qu'une bouchée. Nous réclamons l'aide du public pour réussir à identifier ces deux suspects. Faut retrouver ces enfoirés avant qu'ils blessent d'autres personnes. T'as entendu parler de la bombe au marathon? Oui, bien sûr. Tu sais qui avait ça? Non. Ah, c'est moi. Une vaste chasse à l'homme est lancée pour retrouver les suspects. Chaque centimètre carré de cette ville va être fouillé. Catherine, y a-t-il d'autres bombes? Je veux un avocat. Non. Ah bon? J'ai des droits. Appelez la police! Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est le bien contre le mal. L'amour contre la haine. Notre seule arme pour les combattre, c'est l'amour. Ils n'ont aucune chance de gagner.